Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette des Beer & Bones. Aujourd'hui, on va vous faire un poulet au Ramseyer. Donc le Ramseyer, c'est quoi? C'est du jus de pomme effervescent en fait. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un poulet fermier, de 4 gousses d'ail, d'un demi-oignon, d'un morceau de gingembre, d'huile d'olive, d'une canette vide en aluminium pour faire cuire le poulet dessus, d'une cuillère à café de piment d'Espelette, et puis pour la sauce avec laquelle vous allez napper le poulet, vous aurez besoin de Ramseyer, de 50 ml de sherry, de 75 ml de ketchup, d'un citron, de 2 cuillères à soupe de sucre roux, de sel et de poivre. Donc on a préparé nos ingrédients, le gingembre a été épluché, on a pris nos gousses d'ail et puis notre oignon. Alors toutes les quantités là sont doublées puisque moi j'ai 2 poulets à faire. Dans un mixeur, on va mettre nos gousses d'ail, donc votre oignon, votre gingembre frais, le sel et le piment, les 2 cuillères d'huile d'olive. Et puis vous mixez le tout. Et donc voilà, ça va vous donner une sorte de pâte que l'on va étaler sur le poulet et à l'intérieur du poulet. Donc on va masser notre poulet avec cette mixture. On en met bien partout. N'hésitez pas à être généreux, il y en a quand même un paquet à l'intérieur. Si vous arrivez à en mettre sous la peau aussi, c'est génial. Il faut juste en garder un peu pour la sauce. Voilà, donc maintenant on va préparer notre support de cuisson pour le poulet. Donc on va utiliser donc une canette vide. On va la remplir à moitié de Ramseyer. Et puis après, tout simplement, on va prendre notre poulet. Puis on va l'enfourcher sur la canette. Ça permettra d'avoir un poulet bien hydraté à l'intérieur et donc un poulet qui ne sera pas sec. Donc voilà, on va mettre à cuire le poulet. Donc, temps de cuisson à peu près entre 3h30 et 4h, entre 100 et 125 degrés, on va bien sûr nous le smoker, mais vous pouvez faire cette recette chez vous au four sans aucun problème. Donc, et voilà, on viendra juste le napper de sauce à peu près toutes les 20 minutes. Donc la sauce maintenant, on va aller la préparer. Alors, dans une grande casserole, on va préparer la sauce. Il nous faut donc 33 centilitres de Ramseyer, mais pour moi c'est le double toujours puisque j'ai 2 poulets. Donc 50 centilitres pour vous de sherry, pour moi toujours tout double. Donc votre ketchup, le reste de votre marinade pour le poulet, vos 2 cuillères à soupe de cassonade, votre poivre et votre sel, à peu près 2 cuillères à soupe, et votre jus de citron. Et maintenant, on va le faire cuire pendant 20 minutes à feu doux. Alors, notre sauce est prête. On va pouvoir badigeonner le poulet. Donc, toutes les 20 minutes, il faudra revenir et relaquer le poulet. C'est très important.